This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Les Bizards, François Rudolph. From Joigny, Jean-Michel Lorain. And from Lyon, Jean-Paul Lacombe. La Côte Saint-Jacques is a fancy award-winning restaurant in Joigny, France. It's been in Chef Jean-Michel Lorain's family for years and now is rated 3 stars by Michelin. With his father, Chef Lorain has built a going concern, including cookbooks and a culinary school. Here is his entree, suckling veal chop. Donc la côte de veau, il faut voir déjà que la coupe a été faite très épaisse. Hein? Au lieu de faire des petites côtes de veau toutes fines, on fait une grosse côte de veau très épaisse qui permet d'avoir une bien meilleure cuisson. On va garder le veau très moelleux. As the chef trims this enormous veal chop, he notes that the thickness is important in the relatively long cooking time he'll use. On va faire ce qu'on appelle un manchon. C'est-à-dire qu'on va gratter l'os de manière à éliminer une partie d'une part de la graisse. Et on va laisser un petit peu pour protéger la viande et pour un souci de présentation. Ici, on va couper le bout de l'os. He'll use the scraps later as part of the sauce. Et donc, on va garder cette côte de veau et bien sûr les morceaux. Au frais. It's very important with a chop this size that it fits the pan perfectly. On va déjà choisir la bonne casserole. Donc il faut qu'elle tienne dedans. Voilà, donc ça me paraît bien. Il faut qu'elle tienne dans la casserole. Il ne faut pas que la casserole soit trop grande, il ne faut pas que la casserole soit trop petite. La viande. It's also very important to tie the chop. It helps keep the surfaces flat so the meat cooks evenly. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. De façon à ce que la viande reste bien épaisse et bien régulière. On va avoir la même cuisson ici que ici. Voilà, donc on va faire saisir. It's seared in hot oil. Faire saisir cette viande des deux côtés. The chef will add the scraps and trimmings. Donc je vais ajouter autour les parures. Alors ces parures, elles ont une double raison. D'abord, elles vont donner de la saveur dans la casserole, c'est-à-dire qu'elles vont déposer du goût au fond de la casserole, vous voyez, des sucres. Et deuxièmement, the scraps will result in the brown bits in the bottom of the pan and add flavor to the sauce. It will also help prevent the chop from burning. It goes into a hot oven for about 15 minutes to start. La côte est saisie, on va la mettre au four. It's taken out and butter is added in order to baste the chop partway through cooking. Et on va ajouter un peu de beurre. Alors on n'a pas mis ce beurre tout de suite pour pas qu'il brûle hein, dans la casserole au départ. Je le mets à peu près à mi-cuisson. Donc là, on va arroser cette viande avec le beurre. It goes back into the oven to finish.
Voilà. Et on va remettre le tout dans le sautoir. The sauce is made by deglazing the pan with water, adding veal stock and chopped truffle. It will be strained before service. Let the chop rest before carving. It's served with a pea puree and truffled Jerusalem artichoke cooked in cream. Posé sur les topinambours. Donc le jus de veau qui va être réparti sur tout autour et un tout petit peu sur la viande. Voilà.